Yo les gens, ici Rafi Gaming, on se retrouve pour le 23e épisode sur Tekken 8, épisode des personnages, Paul Phoenix aujourd'hui, suite de combat complet basé sur le judo américain, de cette américaine, taille 1m87 pour 95 kg. Donc c'est parti, on va faire cette petite histoire avec lui, donc c'est parti. Aiming to be the greatest fighter in the universe, the passionate Paul Phoenix sought out any opportunity to test his might. Hearing rumors of an upcoming tournament that would definitely fit the bill, he journeyed high into the mountains to train with his good buddy, Martial Law. Just then, the King of Iron Fist tournament was officially announced in order to determine the next head of the Mishima Zaibatsu. Parting with Law. Par contre, j'aime pas sa nouvelle coupe de cheveux. Je préfère l'ancienne qu'il avait avant. Ça, j'aime pas trop. Après, je pense qu'on peut la remettre sa coupe de comme il avait avant. Voilà, on a toujours connu Paul avec sa coiffure cheveux en l'air là, mais là ça vraiment ça fait un trop gros changement, je trouve. Ça fait bizarre. En plus, il est plus vieux. Il a vraiment vieilli quoi. Il a pris un coup de vieux dans la tronche. Perfect. On commence bien déjà. Ouais, ça fait éclater. Enfin, ça fait quoi cette chape là? Oh, ça va même chape. Premier combat terminé assez facilement. No pain, no game. Ah ouais! Comme dans le film, no pain, no game. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film là. Avec un acteur assez connu, je sais plus comment il s'appelle. Ok, ça va être autre chose. Ouf, ça fait mal ça. Coup de pied comme ça, retourné là. Après, c'est pas les mêmes attaques qu'il a. C'est vrai, il y a une attaque que je connaissais, mais il fait plus, je crois. C'est comme son attaque de. Il fait plus son attaque. Quand il faisait un gros coup de poing, voilà, comme ça. Il fait plus son attaque. Bizarre qu'il le fait plus. Vous savez, ça faisait un gros coup de poing, boah, comme ça là. Mais il fait plus à mon avis, c'est bizarre. Ah, comme ça, voilà, comme je viens de faire. Je crois que c'était. On sait pas ce coup-là. Ah, c'est ce coup-là, voilà, quand il fait ça. En plus, il rush, regardez. Il peut rusher. Ah, bah, je l'ai pas fait. Pareil, ça va le faire. En fait, c'est arc de cercle et triangle, en fait. Ah, il fait pas, là, attendez. Hop. Voilà, comme ça. Ah, là, il fait pas, par contre. Ah, c'est ça, vous voyez, le coup comme ça, regardez. Bah, par contre, il rush, je sais pas pourquoi à chaque fois il rush, ça sert à rien, parce qu'il rate son attaque à chaque fois. Donc après, les coups, je les connais pas trop bien. Oh, il part avec sa moto. Il part avec sa moto, nickel. Donc il est au moins 3... Oh, Brian, ça va être chaud. Kill!
Par contre, les personnages sont bien foutus. Hein. Niveau graphiquement, on peut pas dire que c'est moche. Hein. C'est vraiment beau. Tekken 8 est vraiment magnifique. Hein. Ils ont fait vraiment un bon jeu. Un beau jeu, je veux dire. Ah. Et il rush encore, là. Oh, il m'a esquivé. Tu veux jouer au pied, toi aussi? Ouh. Oh, j'ai marché dessus. J'aime pas de... Ah non, ça avait marché de côté. C'est mal, ça. Petite balayette, là. Fait de... Petite balayette des familles. Oh. Prends ça. Ouh. Le petit rush, là. Ça l'a bien éclaté. Et dernier combat. Ah, ils mettent même pas. Ils mettent même pas le... Il n'y a même pas la cinématique. Oh, j'adore. Eux deux, c'est une complicité. C'est une rivalité qu'ils ont dans les anciens Tekken. Bah. Vas-y, hein, comme toi, comme ta joie là. Calmez-moi. Il va faire sa grosse attaque. Ouch. Oh, il s'est fait défoncer. Oh. Ouais, il a raté son attaque. Et chill. Ah tiens, le prendre, le prendre. Tu te la prends encore une fois. Ouch. Et voilà, prends-toi ça encore une fois. Dans la tronche. Excusez-moi, je pense que je commence à avoir la gorge. Peut-être hier, comme il a plu hier, on est sorti puis il a plu. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, c'est... Ah oui, je pensais que c'était la fin, non? C'est passé quoi? Closed. Oh. Pff, ouais, c'est pas... Bon, c'est pas la meilleure vidéo. C'est pas la meilleure cinématique. Donc voilà, prochain personnage, on va voir c'est quoi. Alors du coup, ça sera... Raven, du coup, prochain personnage, c'est Raven. Donc moi, je vous dis une prochaine, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'à partager, commenter mes vidéos. C'est bye bye, portez bien, peace.